Salut à tous, c'est Baisanka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fortnite, j'ai plein de choses à vous présenter. On va reparler de l'événement Tortue Ninja, qui arrivera le 6 février. On a plus d'informations sur l'événement. On verra aussi un nouveau véhicule qui va arriver sur le Battle Royale. Fortnite, hier, sont amusés à partager une nouvelle danse, et pour partager la danse, ils ont utilisé un skin qui n'est pas encore sorti. Donc, soit une erreur, soit du coup un petit teaser d'un skin qui va arriver prochainement. Bref, je vais vous montrer tout ça comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BAISANKA à la boutique, ça fait super plaisir. Donc pour l'événement Tortue Ninja, je vous avais déjà présenté le teaser qu'on aurait dans le menu principal, je vous le remets rapidement, il va se passer en 3 étapes. Première étape, le mot Kawabunga qui sera sur un tag, sur un mur, avec le compte à rebours qui est au-dessus. Tout doucement, on va avoir l'ombre de Shredder, ça sera du coup l'étape numéro 2. Et dernière étape, on aura vraiment le skin qui sera visible avec le reste du compte à rebours. On a un peu plus d'informations du coup sur l'événement. Apparemment, donc la date, c'est le 6 février. On va peut-être avoir un pass de combat, alors mini pass de combat avec Shredder et peut-être d'autres récompenses d'items à débloquer avec des défis. Des nouvelles armes mythiques, le party pizza qui sera de retour, donc les parts de pizza qui vous redonnent de la vie. On aura un supply drop, donc les drops aux couleurs de l'événement Tortue Ninja, des nouvelles quêtes et sûrement des nouveaux skins Tortue Ninja, autres que Shredder du coup, qui seront peut-être disponibles dans la boutique. Donc un bon petit événement qui devrait arriver lors de la prochaine mise à jour. Ensuite, hier, Fortnite s'est amusé à partager du coup une nouvelle emote qui est disponible dans la boutique. Par contre, pour nous montrer cette nouvelle emote, ils ont utilisé un skin qui n'est pas encore sorti. Donc je vous mets ici le clip à l'écran, la danse vous pouvez l'acheter dans la boutique, le skin du coup devrait arriver prochainement, et c'est un skin concept qui a été retrouvé, donc je vous mets les planches ici à l'écran, Fortnite a sélectionné ici le skin de gauche et l'a un peu modifié, mais il y a des chances que dans les variantes de ce skin, on ait du coup des variantes qu'on a ici sur les planches. Et franchement, il y en a qui sont vachement stylés, par exemple celui-là qui est au milieu en bleu violet avec les pieds orange, je trouve magnifique, et celui juste avant, que j'ai mis sur la miniature et qui est ici à droite en mode un peu Galaxy. Vrai, il est juste magnifique. Donc à voir ce qu'ils vont sélectionner, à voir si ce skin va avoir des variantes. En tout cas, c'est un concept de la communauté qui a été validé. On a aussi du coup le pack Endo qui va arriver dans Fortnite. L'Endo de Rocket League arrive dans le Battle Royale avec ses courbes épurées. Ce châssis fait partie du pack Endo disponible dès maintenant dans la boutique. Personnalisez votre Endo avec un des 6 stickers contenus dans le pack. Et ce véhicule, si vous l'avez déjà dans Rocket League, vous le retrouvez du coup gratuitement dans votre casier sur Fortnite grâce à la propriété multijeu. Tout ce que vous avez sur Rocket League, du coup, vous l'avez aussi sur Fortnite. Et pour finir, on a Apex qui nous annonce que Fortnite est en train de tester du coup la saison 2 du chapitre 5. Et selon les rumeurs, cette saison serait donc sur le thème de la mythologie grecque en raison de la direction artistique de la map actuelle, des skins sur le thème de la mythologie grecque qu'on a vu dans les enquêtes et des mini-événements sur les tremblements de terre qui commencent normalement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis, si vraiment la prochaine saison est sur la mythologie grecque, est-ce que ça peut vous plaire? Et voilà, du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.